Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Jetfire. Cette fois-ci, ça va être Thunderwing Generation figurine qui est sortie il y a 5 ans. Mais avant toute chose, je vais vous expliquer. Bon, depuis des années, je fais des revues. J'ai fait les chugs, c'était ma raison principale pourquoi faire des revues. C'était de montrer surtout des jouets, les chugs aux gens. Ainsi que d'autres jouets comme mes critiques de Dark of the Moon, Transformers 4, Prime, tout ça. Et il y a beaucoup de figurines, parce que depuis 2009, que j'ai pas faites en revue. Et je vous annonce officiellement que je vais tout faire le refaire, mais faire des revues de toutes les figurines que j'ai pas faites en revue. Je vais sûrement aussi refaire, et lui est un bon exemple, des revues que... Mes premières revues que je vais refaire aujourd'hui, parce que mes premières revues, on va se le dire, c'était pas super bon, c'était mes premières, fait que c'était pas super bon, j'avais pas grand chose à dire. Aujourd'hui, avec 6 ans plus tard, je suis capable de driver ça, une bonne revue d'une bonne quinzaine de minutes, fait qu'aujourd'hui, je vais refaire des revues de jouets que j'ai faites dans les premières revues, mais là, je me répète, mais juste pour dire que les personnes qui m'aiment pas vont continuer à pas m'aimer, mais les personnes qui écoutent pas mes revues vont continuer à pas écouter mes revues. Les personnes qui aiment mes revues, ben c'est pour vous autres, c'est pour vous autres, le grand public, ouais, bon, le grand public, le petit peuple, simplement. Et bon, justement, on va faire commencer parce que c'est une revue que j'ai déjà faite en 480p avec mon iPod qui était pas HD, mais ça c'est pas plus grave que ça, mais qui était sur le côté de la caméra et que on montrait, j'avais essayé quelque chose de nouveau et finalement je trippe pas tant que ça parce que montrer ses mains avant les robots c'est pas super hot, mais j'avais fait une revue, fait que vous pouvez checker dans ma chaîne cette revue là qui dure 6-7 minutes et que j'avais pas grand chose à dire, mais là aujourd'hui là j'ai quelque chose à dire. Thunderwing est un personnage, bon c'est ça justement. Thunderwing, un personnage apparu dans G1, un jouet qui est sorti en 89, un méga pretender, quelque chose du genre. C'était un jet qui avait aussi un jet style cybertronien futuriste. J'ai vu les jouets, les photos des jouets, c'était pas super beau. C'était pas un personnage vraiment intéressant. Depuis une couple d'années avec IW, c'est un personnage qui est revenu. Il est venu avec un ultra mode. Qui ressemble pas vraiment à ça, mais qui était dans les BD Stormbreaker, je pense. Il se battait contre les Wakers, fait que déjà, ben, je l'aime bien. Enfin, un ennemi des Wakers, officiellement, mais bon. Fait qu'on en revient, bien entendu, avec un mode style F22. C'est vraiment un prototype, je dirais. Mais c'est beaucoup inspiré des F22. F22, c'est ça, les Raptors 22, comme Starscream Movieverse. Ça sorti justement en 2010 dans la même vague que Cliffjumper ou War for Cybertron. C'est un beau jet, les couleurs sont quand même belles. Le gris plastique, c'est sûr que ben, c'est sa marque de commerce. Fait que c'est, même si j'aime pas le gris, c'est un ton gris qui est un petit peu mieux que le gris plastique clair. Il est un petit peu plus foncé, fait que je l'aime bien. Avec un certain bleu foncé ici sur les ailes, ici aussi, un petit peu de doré ou plus du bronze, signe des Decepticons ici sur les ailes, les canons ici qui tirent bien, on va se le dire, je les ai retrouvés dans mon bac à missiles que j'aime beaucoup, que j'aurais dû peut-être peinturer noir, mais bon, ce qui est intéressant aussi avec ce jouet là, c'est que on peut, si vous aimez pas ce mode là, on peut écarter les ailes comme ça. Et les faire un peu à la Cyclonus, ou un peu plus à un mode cybertronien. Mais pas plus qu'il faut. Sinon, en dessous du robot, le robot est pas vraiment bien caché. Les bras sont ici, sont à l'air. Ça, c'est les jambes. Ça, c'est le torse qui vient replier ici. Pas vraiment super travaillé, mais c'est un deluxe. C'est une figurine qui aurait dû être un Voyager, carrément. Même si c'est un personnage pas trop populaire. Avec le Voyager, puis ce qui est intéressant aussi avec le G1, c'est que cette genre de petite capsule de sauvetage de gros vaisseau, qui est carrément un genre de drone, se transformait en robot dans son G1, mais que là-dessus, c'est vraiment un petit drone avec des... quand même bien foutu, là. Il y a des lasers ici, des tirs, le cockpit,
ici en arrière le genre d'affaires, puis les ailes. Puis il y a même des trains d'atterrissage ici, comme ici, puis le trou, une vis. Tu sais, c'est quand même bien foutu. Et ça se coince ici comme ça. Et bien entendu, le train d'atterrissage vient le coincer correctement. Et ça fait le bec du vaisseau, mais c'est juste. C'est un peu bizarre comment c'est fait. Tu sais, c'est intéressant pareil. Train d'atterrissage ici, on les referme. On va faire une petite comparaison avec un personnage. Je savais pas vraiment qui comparer. Tu sais, il se battait à un moment donné contre Roadbusters, puis Roadbusters Generation. Je sais pas. Finalement, je vais vous comparer avec Dirt Generation, qui était sorti à peu près la même année. On peut vraiment, parce que tu sais, c'est un jet. Tu sais, quand on pense Jet Decepticon, on pense aux Seekers, fait que. Why not? Il n'y en a pas beaucoup de Jet Decepticons. Ben, il n'y en a pas beaucoup. Non, c'est juste ça, des Jet Decepticons. Est-ce que je retire ce que j'ai dit, mais. Tu sais, c'est un Jet qui n'est pas F-15, c'est pas. En tout cas, c'est un Jet bien unique. On va commencer la transformation, qui est tout à fait bien simple. On peut garder les canons ici. Mais moi, je préfère les enlever. Comme ceci. Parce que ce qu'on doit faire, c'est comme. Avant toute chose, on replie ces ailes-là. On écarte ces parties-là. On écarte aussi les jambes. Mais cette partie-là, on la ramène vers le haut, comme ceci. Cette partie-là, on va la lever pour sortir les jambes, comme ça twist comme ceci. On replace cette partie-là. Et là, le torse, ça a bougé. On vient le mettre comme ceci. Le bec du chose, de l'avion, on vient le mettre en arrière comme ça pour former le backpack. Et les jambes, ici les pieds, on les écarte comme ceci. Et nous avons notre Thunderwing en mode robot. C'était pas plus compliqué que ça. C'est une figurine qui est de même. Simplement. Voici une petite comparaison avec Dirge, justement, lui. Et j'ai checké sa biographie sur Wikipédia. Ben, Wikipédia, DF, Wiki. Et on voit sur une photo d'une BD avec Scourge. Fait que, enfin, un Decepticon qu'on peut comparer, puis que je suis pas trop dépaysé. Puis il faut l'avouer que Scourge a une tête de plus qui est apparue, qui est sortie à peu près la même année. Et l'avantage avec ce personnage-là, le Thunderwing, c'est que ça appartient pas à un Deluxe rapetissé qu'on a eu à partir de Dark of the Moon. C'est un jouet assez massif, même si une tête de moins que Scourge. On voit que c'est une bonne qualité de plastique, c'est loin d'être vraiment médiocre. Les détails, ce que j'aime vraiment, c'est que si en mode véhicule, il y a juste la couleur grise et bleue, en mode robot, c'est différent. On a du rouge et bleu, bien entendu, du rouge et bleu, du gris et bleu comme d'habitude, et du noir, qui est quand même un peu plus montrant. Du argent, de l'or, non, plus du bronze, on va dire. Couleur bronze ici, à sa fourche, voyons, ses cuisses. Et le vert, assez spécial, c'est qu'il y a du vert foncé et du vert pâle. Le vert pâle est surtout sur son torse. Le vert foncé, c'est ses bras, puis c'est ses jambes, puis c'est ici les petites jupettes, et aussi ici ses côtés. On a aussi du violet, qui représente les pieds et les flingues. Et la tête est quand même très belle. Une tête de démoniaque. J'y ferai pas confiance. J'y prêterai pas mes clés d'auto pour qu'il parte en char tout seul avec. Non, vraiment pas. Il n'y a pas une tronche de ça. Je suis désolé, Thunderwing, mais t'es un jet. T'es capable d'utiliser tes propulseurs toi-même. Sinon, si on n'est pas trop content, on peut un peu modifier ça, on peut mettre les ailes un peu comme Seekers. Ici, les lasers, on peut les remettre sur épaule. On peut enlever cette partie-là. Bof. Qui revient finalement, ça sert absolument à rien d'enlever cette partie-là. J'aurais été le fun de prendre cette partie-là puis de mettre sur un fusil. Et si on n'est pas content de ces deux gros flingues, parce que oui, c'est des gros flingues, il peut former un putain de gros flingue. Par contre, le putain de gros flingue, justement, c'est pas.
C'est comme ça. Mets-tu la main. Bien entendu, il se détache. C'est vraiment le fun, ça, quand il se détache. Mettre ça comme ça. Et, bon, moi, je remets les ailes comme ceci. Quand même, il peut se défendre. Il peut se défendre. Et ses armes sont quand même intéressantes. C'est un gros canon avec deux missiles ici. Juste une seule couleur. Ça aurait été le fun d'avoir un petit peu plus de détails ici aussi. Bon, ça, c'est un viseur. Bon, c'est pas un viseur, ça, c'est la partie qui met pour former le gros canon. Bon, moi, j'aime bien. Par contre, je préfère mettre ça chacune des mains. Ou, je vais essayer. On va essayer. Mais là, par contre, il faut inverser les mains. Comme ça. Mettre ça comme ça. Faut inverser les mains. Bon, c'est sûr que ça fait un peu ridicule. Mais ça peut former un canon. C'est dommage que les mains auraient dû être fermées pour placer des canons de même. Sinon, ça fait... ici, ça fait un peu organique. Ça fait des avant-bras de chevalier, je dirais. Je pense à la caméra, on n'a pas trop de détails. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. Les articulations. Bon, la tête. Yes, c'est bon. Elle n'est pas sur un bajouin. Non. Oui, elle est sur un bajouin. Mais. Articulation très limitée. Ça tourne au moins 60 degrés. L'air piping est vraiment magnifique. Je prêterai pas mes clés de char. Je l'ai dit. Je prêterai pas mes clés de char. Tu comprends-tu, Thunderwing? Je te prête pas mes clés de char. Articulation ici écartée. Ça peut, on va se dire en crise, ça peut tourner 60 degrés, 360 degrés. Oui, mais à cause de des ailes, ça fait pas ça. Bien entendu, les canons peuvent s'écarter comme ça. Articulation au coude. La main, 360 degrés. La taille, absolument rien. Petite jupette, on peut faire ça. Si vous aimez pas ça, on peut les enlever. Mais moi, je trouve que ça fait un look un peu plus chevalier, on va dire. Bajouin ici. Ici, cette partie-là sur Simonac. Je pense que ça fait longtemps que je l'ai pas. Je vais le casser à la longue. Sérieux, c'est une figurine que j'ai faite la revue il y a une couple d'années, puis je l'ai transformée peut-être une ou deux fois, mais tellement pas. Juste pour dire que ça, c'est pivot. Articulation au genou. Et les pieds ne s'écartent pas parfaitement. C'est. Non, vraiment pas. Mais ça tient quand même très bien, on va se dire. La posabilité est très très bonne. Ça comme ça. Comme ceci. Bon. La posabilité. Non, on va faire des poses d'attaque. Non, sérieux, la posabilité est vraiment excellente. Le backpack n'est pas. La posabilité est vraiment bonne pour le backpack qui est vraiment gigantesque. Malgré tout, est-ce que c'est une figurine qui en vaut la peine? Sérieusement, si vous prenez... Parce que moi, je l'ai acheté simplement parce que ça manquait de Decepticons dans les chugs. Puis un personnage de plus. Je l'ai pogné, je pense, 10$ à l'époque. Puis c'était un cadeau de Noël, je crois. Puis sérieusement, j'aime bien cette figurine-là. Je pense que c'est un personnage que je connais pas. Fait que c'est un personnage qui mérite... Il mériterait d'être vraiment dans les films de Movieverse de Michael Bay parce que c'est un personnage, je veux dire, qui est vraiment oublié. Ça serait intéressant de le voir aussi dans... On l'a vu dans des bandes dessinées de W, mais ça serait vraiment intéressant de le voir dans une série. Peut-être dans Rebel in Disguise 2015, je ne crois pas, mais sérieusement, j'ai pas trop d'espoir sur ce personnage-là. Il est quand même cool. Moi, je l'appelle Peau de Serpent. Peau de Serpent, tout simplement. Peau de Serpent. Le vert, Peau de Serpent. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.